Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous voici pour une nouvelle journée de classe. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon mercredi. Et as-tu fait le gâteau de Nani? Regardons les photos, je pense qu'il y en a qui se sont bien régalés. Et aussi, je vous avais donné un défi mardi. Je vous avais demandé de faire le chemin pour le petit robot. Alors regardez ce que vous nous avez proposé et après on essayera avec le robot pour voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Mais je crois que vous l'avez déjà trouvé et que vous êtes vraiment de grands, grands champions. Il faut appuyer sur la flèche bleue et appuyer sur la flèche rouge. À quoi elle sert la flèche bleue, Marin? Il sert à tourner. De quel côté? De ce côté. Alors, ce côté, c'est lequel? C'est le droit. Oui, très bien. À quoi elle sert la flèche rouge, Marin? Il sert à aller à l'avant. À l'avant. Moi, Marin, sur quelle touche il faut appuyer pour que le robot avance? Alors, sur OK. Ah, la dernière touche, c'est OK. Super. La bleue, la rouge, c'est la et la OK. Rappelle-toi du défi. Le petit robot était sur le crabe et il devait aller sur la vache. Donc, voyons ce que tu as proposé, ce que vous avez proposé. Vous avez proposé la flèche bleue, puis la flèche rouge. Alors, on va regarder si vous aviez raison. Flèche bleue, flèche rouge, OK. Bravo! Vous avez réussi. Je suis fière de vous. Et maintenant, passons au rituel de la classe. On va compter les garçons et après, on va compter les filles. Tu es prêt? Tu comptes avec moi. C'est parti! On commence par compter les garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 garçons. 13, ça s'écrit une boîte de 10 et 3. Le vois-tu sur la bande numérique? Et oui, là, 13. Une boîte de 10 et 3. Bravo! Je place le petit garçon. Comptons le nombre de filles. C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 filles dans la classe. À toi de trouver sur la bande numérique où est le 15. 15 s'écrit 10, 5. Une boîte de 10 et 5. Tu l'as trouvé? Bravo! C'est ici. Une boîte de 10 et 5. Félicitations. Maintenant, nous comptons le nombre de personnes. Maintenant, nous comptons le nombre de bonhommes total. Voilà. À toi de compter. D'abord, tu dois trouver quelle boîte nous fermons. On ferme cette boîte parce qu'elle est toute remplie. Il y en a 10. Et on ferme cette boîte parce qu'elle aussi, elle est toute remplie. Et il y en a 10. Cette boîte n'est pas toute remplie. Il manque 2 enfants.
Donc, on ne peut pas la fermer. Alors, combien d'enfants il y a dans cette classe? Deux boîtes de 10 et 8. Tu as raison si tu as répondu ça. Mais deux boîtes de 8, c'est un peu long à... Deux boîtes de 10, pardon. Deux boîtes de 10, c'est un peu long à dire. Donc, comment on dit? On dit 20. Il y a 28 enfants dans la classe. Bravo! On va l'écrire maintenant. Dans 28, il y a d'abord deux boîtes de 10. Donc on l'écrit en rouge et on fait le 2. Le pont, très penché, course de mouche. Très bien. Et après on a dit 8, 28. Pour faire le 8, si tu ne sais plus comment on écrit le 8, tu peux utiliser la frise numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 s'écrit comme ça. Et voilà comment s'écrit le 8. Tu fais le S, donc un pont, et hop, tu rattaches. Voilà, bon, je l'ai fait un peu tordu. Je vais le refaire. Et je recommence. Et toi, as-tu su écrire le 8? Bravo! Maintenant, nous allons faire l'émotion. Je te laisse écouter les émotions des copains et toi de prendre le temps de dire la tienne à l'adulte qui t'accompagne. Je peux mettre pause. Je suis contente parce que je fais un dessin pour maman. Je suis triste parce que je ne suis pas à la maison de maîtresse. Pouvoir rentrer dans l'ordinateur si t'étais plus petit. Je suis triste parce qu'on peut pas aller à l'école. Météo. La météo chez moi aujourd'hui, c'est des nuages gris et du soleil qui parfois est caché par les nuages blancs. Tu te rappelles comment on dit? Oui, on dit éclairci. Donc, chez moi aujourd'hui, il y a des nuages gris et des éclaircies. Et chez toi, quel temps fait-il? Prends le temps de le dire à tes parents. Et maintenant, tu vas expliquer comment tu es habillée. On va le faire avec Nelly et César d'abord. Peux-tu dire comment Nelly est habillée? Nelly a mis une veste verte avec un t-shirt rayé vert. Elle a mis une jupe verte, des collants rayés vert et rouge et des bottes fleuries. Si tu as réussi à retrouver tous les mots de vocabulaire, je te dis vraiment félicitations. Et toi, si tu es en petite section, essaye de bien dire les couleurs de tes vêtements. Et César, comment est-il habillé aujourd'hui? César, aujourd'hui, a mis un anorak jaune. Il a mis un pantalon marron. Il a mis des bottes vertes. Bravo! Maintenant, rendez-vous avec Marie pour une activité Montessori autour des graines. Coucou! Aujourd'hui, nous allons transvaser des graines. Alors, nous avons les graines. Et alors, à la maison, vous allez devoir trouver plusieurs cuillères. Ou... Alors, moi j'ai trouvé une cuillère assez profonde, une cuillère à café normale, une pince à thé, une pince à sucre et, le plus dur, la pince à épiler. Allez, c'est parti. Premier exercice avec la cuillère en plastique. Regarde.
l'autre main. À toi. Cette fois, on utilise une cuillère à café. Tu as compris? C'est à toi. Essayons avec la pince à sucre. Tu as compris? À toi de jouer! À nous les moyens et les grands, nous allons écrire la tête du jour. Et aujourd'hui, c'est en chanson que nous allons faire les jours de la semaine. Tu te rappelles la chanson? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Peux-tu chanter, toi, les jours de la semaine? Vas-y. Et d'après toi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ça commence par le J. Donc, nous sommes jeudi. Allez. Aujourd'hui, pour changer, je ne vais pas chercher l'étiquette, je vais l'écrire au tableau. Donc, on a dit qu'on était jeudi. Jeudi. Et maintenant, au calendrier, pour trouver quel jour nous sommes. Tu as vu? C'est le dernier jour du mois. Et regarde, ce nombre, on ne le connaît pas bien. 3 boîtes fermées et 0.
Comment se dit ce nombre d'après toi? 30. En effet, 3 boîtes de 10, ça se dit 30. Allez, on va l'écrire. Trois boîtes fermées et le zéro. 30. Et nous sommes le dernier jour du mois. Mais de quel mois? Tu t'en rappelles? Allez, regardons sur la ronde. Tu arrives à le lire? Avril. Oui, et demain, nous passerons un nouveau mois. Mais pour l'instant, nous sommes encore en avril. Il ne nous reste plus qu'à marquer l'année. Tu sais en quelle année nous sommes? 2020. De lire la date. Aujourd'hui, nous sommes et maintenant tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 avril 2020. Et nous sommes quand quelle saison? La saison où les fleurs poussent, où les feuilles apparaissent sur les arbres. C'est la saison du printemps. Bravo, champion! Nous passons à l'écriture du mot. Mais aujourd'hui, plutôt que de dire les sons des lettres, nous allons chanter la chanson de l'alphabet. Avant, pour chanter la chanson de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Et les trois dernières lettres sont X, Y et Z. Et oui, on a fait la chanson de Nani aujourd'hui. Et maintenant, nous allons écrire d'abord pour les moyens la syllabe. Aujourd'hui, la syllabe que tu as à écrire est la syllabe faux. Tu te rappelles? Depuis le début de la semaine, nous étudions le son F. Avec quelle lettre tu écris le son F? Et ensuite, faux. Tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer d'écrire cette syllabe. Alors, c'est la fusée. C'est le F. Qui fait et ensuite j'ai dit oh et oui c'est la lettre qui fait un rond dans la bouche c'est le oh voilà faux as-tu réussi à l'écrire bravo et maintenant à nous les grands le mot que vous avez à écrire et le mot canapé. Il y a trois syllabes. Prends le temps de bien faire les trois syllabes. Si tu es en moyenne section et que tu veux écrire le mot, tu peux aussi l'écrire. Canapé. Tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps d'écrire ce mot. Canapé. On va écrire d'abord la première syllabe. K. Si tu as écrit cette lettre, en pensant que ça fait K, attention, cette lettre fait le son K. Donc, ce n'est pas cette lettre qu'il faut écrire. Ou pas toute seule, en tout cas. J'ai oublié ça. Pour écrire K, il faut le K qu'on fait avec le C. K, c'est le A. Voilà la première syllabe. K. Quelle est la deuxième syllabe? Na.
Na. Na. C'est le N et le A. Très bien. Et maintenant, la dernière syllabe, P. Le P qui pète et le E. Voilà. Et maintenant, on va l'écrire en attaché. Pour écrire canapé en attaché, on commence d'abord par le C qui est juste un peu avant l'air. On fait le rond. On s'arrête. On lève le crayon. Le A est aussi une lettre qui est ronde. On commence un peu avant l'herbe. On fait, on commence le rond et on fait la canne. Le N, ce sont deux ponts qui se suivent. Un pont, deux ponts. Et je fais la canne. Le A, je vais un peu avant l'herbe et je fais le rond. Et là, la canne. Le P. Je sais que c'est une lettre que tu n'aimes pas beaucoup écrire. C'est je monte penchée et je descends tout droit, pont qui tombe, jusqu'à la ligne qui est vraiment en bas. Je remonte par le même chemin et je fais un pont. Et la canne. Et la dernière lettre, la boucle du E, je lève le crayon et je fais l'accent. Canapé. Je suis sûre que tu as réussi à bien l'écrire. Maintenant, nous passons aux ateliers de phono. Nous les petits, tu te rappelles? En phono, nous sommes en train d'apprendre à écouter. Et aujourd'hui, je vais te proposer deux ateliers. Deux ateliers que tu pourras faire quand tu voudras jusqu'à jeudi 7 mai. Quand tu les auras faits, tu demandes à papa ou maman de m'envoyer la photo ou la vidéo pour que je puisse le valider sur ton fichier. L'atelier de Imaginus. Imaginus, c'est celui qui aime créer, imaginer, dessiner. Tu vas écouter un petit extrait musical, un petit paysage sonore, et tu vas entendre des choses dans cet extrait. À toi de dessiner ce que tu as entendu. Si tu as des difficultés pour dessiner, tu peux demander à tes parents d'écrire ce que tu as entendu. Par contre, il est important que ce soit toi qui entendes les bruits et que papa et maman ne t'aident pas beaucoup à dire ce que tu as entendu. Il vaut mieux que ce soit toi qui découvres un peu de bruit que papa et maman qui découvrent tous les bruits de la vidéo. De Didémon. Didémon, c'est celui qui aime les histoires. Et justement, je vais te raconter une jolie histoire, une histoire de bruit. Quand je vais la raconter, il va falloir que tu fasses le bruit que je te demande. Tu es prêt? C'est parti. C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme. Un petit bonhomme haut comme trois pommes. Ce drôle de petit bonhomme vit dans un pays où les gens sont tristes parce qu'ils n'entendent aucun bruit. Un jour, le petit bonhomme, haut comme trois pommes, se dit « Je suis tout petit, d'accord, je ne suis pas fort, d'accord, mais je vais quand même aller chercher des bruits pour les offrir aux gens de mon pays. » Il prend son sac
et il s'en va. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand... Là, tu dois faire le bruit du vent. Il rencontre le vent. « Bonjour vent, s'il te plaît. Donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. » « D'accord, dit le vent. » Et le vent souffle, souffle. « Vas-y, fais le vent qui souffle. » Alors vite, le petit bonhomme attrape le bruit du vent. Il referme son sac et il repart. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand... Plic-ploc, plic-ploc. Il rencontre la pluie. « Bonjour, pluie. S'il te plaît, donne-moi un peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. »« D'accord, dit la pluie. » Et maintenant, tu fais le bruit de la pluie. La pluie tombe, tombe. Et vite, le petit bonhomme attrape le bruit de la pluie, il referme son sac et il repart. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand... Boum, 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 boum ! Il rencontre le tonnerre. « Bonjour tonnerre, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je l'offre aux gens de mon pays. »« D'accord, dit le tonnerre. » Allez, à toi de faire le bruit du tonnerre. Et le tonnerre gronde, gronde. Et vite, le petit bonhomme attrape le gros bruit du tonnerre. Il referme son sac et il repart. À force de marcher, marcher, le petit bonhomme finit par attraper tous les bruits de la terre. Et quelques gros aussi. Et plus il marche, plus il est content. Plus il se sent fort, plus il se sent grand. Alors il se met à rire avec plaisir, à rire de plaisir. Vas-y toi, fais le petit bonhomme qui rigole. Oh tiens, voilà un bruit, rien qu'à lui. Allez, vite, vite, vite. Il le glisse dans son sac. Et quand le petit bonhomme revient dans son pays tout doucement, il en trouve son sac et il laisse s'échapper un à un tous les bruits. Et là, je veux t'entendre, toi. Faire tous les bruits que tu as entendus. Le bruit du vent. Le bruit de la pluie. Plic-ploc, plic-ploc, plic-ploc. Le bruit du tonnerre. Et le petit rire du bonhomme. Et les gens du pays découvrent tous ces bruits. Et quand ils entendent le rire du petit bonhomme, ils se mettent à rire aussi. Le petit bonhomme, haut comme trois pommes, est drôlement fier d'avoir offert son rire, ce petit bruit rien qu'à lui, aux gens de son pays. Et voilà, l'histoire est finie. À toi maintenant de refaire l'histoire en faisant tous les bruits. À nous les moyens. Tu te rappelles? Qu'est-ce que nous sommes en train de travailler? C'est ça, le nombre de syllabes. Attention, c'est parti. Pour d'abord, avant de commencer n'importe quel atelier, nous allons redire vos prénoms en frappant les syllabes. Nous allons commencer cette fois-ci par Gaspard. Attention, à toi de dire Gaspard en frappant les syllabes. Gaspard. Bien. Maintenant, Léa. Léa. Très bien. Maintenant, on va faire Suzanne. Suzanne. Ah, tu as vu, Suzanne, il y a trois syllabes. Maintenant, on va faire Julia. Julia.
syllabes. Très bien. Et le dernier, Elina. À toi. Elina. Trois syllabes. Bravo. Je vais donc te présenter aujourd'hui deux ateliers. L'atelier interpersonnel en premier, puis un atelier musical que tu devras faire avant jeudi prochain, jeudi 7 mai, et m'envoyer les vidéos pour que je puisse le valider sur ton fichier. L'atelier interpersonnel. Normalement, chez toi, tu as dû faire le jeu avec les ingrédients. Tu te rappelles? Alors, maintenant, nous allons faire le jeu pour de vrai. Je vais mettre 4 cartes devant. Hop. Vois-tu les 4 cartes? Ce sont 4 recettes de cuisine. Je vais en faire une dans le récipient. Et tu devras me dire, en réponse par mail ou en faisant le dessin, quelle recette j'ai fait. Est-ce que j'aurais fait celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là? Rappelle-toi, je vais taper le nombre de syllabes de chaque ingrédient. Si je tape une fois, c'est œuf. Si je tape deux fois, c'est kiwi, puisqu'il y a deux syllabes. Si je tape, abricot, trois syllabes. Et le dernier, si je tape chocolat noir, c'est quatre syllabes. Attention, tu es prêt? Je fais une recette, à toi de trouver laquelle je fais des entre toutes ces recettes. C'est parti. Voilà. As-tu trouvé quelle recette j'ai fait? Envoie-moi vite ta réponse. Et tu peux aussi jouer à ce jeu en famille, en reprenant ces cartes et en faisant la recette et la faisant deviner à un adulte. Je compte sur toi. Merci pour l'atelier de Turlututu. Pour cela, tu as besoin d'un instrument de musique. Ça peut être un vrai instrument de musique ou quelque chose que tu as fabriqué. Il va falloir que tu fasses l'exercice que nous avons fait au tout début, c'est-à-dire de faire le prénom de tes copains avec ton instrument de musique, de tes copains ou de ta famille. Par exemple, si je fais les prénoms de ma famille, ça ferait comme ça. O-C-A-N-E. T'imagines 4 syllabes pour son prénom. Et maintenant, je vais faire un autre prénom. Je vais faire le prénom de Léna. Je le vois dans ma tête. Léna. Deux syllabes. Voilà. Allez, faisons toutes mes filles puisqu'on y est. Naïs. Je le tape dans mes mains. Naïs. Deux syllabes. Naïs. Voilà. Et on va faire le dernier prénom de ma fille qui est Emma. On le tape dans les mains. Deux syllabes. Voilà. Allez, à toi de faire plusieurs prénoms et de m'envoyer les vidéos. Et maintenant, je te donne rendez-vous pour l'histoire de Dani. À nous les grandes sections. En phono, tu es en train d'apprendre le son R. Je te propose donc 4 ateliers à faire
et tu les fais chez toi dans l'ordre que tu veux et tu as jusqu'au jeudi 7 mai pour les faire et m'envoyer la vidéo. Donc vous faites tous le son R, sauf Luce, que toi tu es sur le son S. En avant, c'est parti. Le premier atelier est l'atelier de Imaginus. Imaginus est celui qui aime colorier, dessiner, inventer. Tu vas donc faire un coloriage magique. Voilà, je l'ai envoyé par mail à tes parents et je peux le fournir sur simple demande. Et donc, il va falloir que tu choisisses une couleur et que tu colories les mots, les cases où il y a un mot où tu entends rrr. S'il y a un mot que tu ne connais pas, tu peux demander à tes parents. Et si vous doutez, vous pouvez aussi me demander. L'atelier de Acrobatus. Acrobatus aime bien bouger et être en mouvement. Mais justement, c'est le but de cet atelier. Je te demande d'aller dans ta maison, chercher 5 à 10 objets où tu entends le son rrr. Par exemple, Acrobatus, crayon, lettre, et chauve-souris. Voilà. Et quand tu as trouvé tes 5 objets, mais tu peux même aller jusqu'à 10, tu fais une photo avec les objets et toi qui fais le son, comme ça. Et tu fais la photo. Cette photo, tu me l'envoies pour que je puisse la mettre dans ton cahier qui te servira au CP. L'atelier de tout alentour. Tout alentour, c'est celui qui a des collections et qui aime bien les classer. Alors justement, je vais te donner une collection d'images et il faudra que tu les classes selon si tu entends ra, ri, re, ro ou ru. Par exemple, ce ri, ze, tu entends ri, donc tu le mets dans la case. Et ri son, on entend le ri. Et voilà. Et tu fais pareil pour toute la collection d'images. Voilà. Et l'atelier de Saint-Imois. L'atelier de Saint-Imois, c'est pour préparer ton cahier du CP. Pour cela, il faut que tu aies ton imagier et une feuille que tu as coupée en deux. Sur cette feuille, tu vas chercher des mots. Voilà, tu vas prendre ton imagier et tu vas chercher des mots où tu entends et ces mots, tu vas les dessiner sur la feuille avec un feutre ou des crayons de couleur et tu vas écrire toi-même le mot avec le crayon à papier. Maintenant que nous sommes au mois de mai, je veux que tu écrives le mot en attaché. Tu as le modèle sur l'imagier. Cet exercice, c'est ton défi. C'est pour montrer que tu as bien compris le son R et la feuille sera collée dans ton cahier. Donc, tu m'envoies la photo de ce que tu auras trouvé, les mots que tu auras trouvés et ce que tu auras écrit. Il est très important à ce moment-là de s'appliquer, d'accord? Puisque ça sera ton outil de travail pour le CP. Si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à me contacter pour que je te montre ou que je te rappelle comment on faisait cet exercice avant. Bonjour! Alors, ça va les petits écoliers de la maison? J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes prêtes pour une nouvelle histoire? La dernière fois, je crois que je vous ai lu un livre qui s'appelait « N'oublie pas de te brosser les dents », qui parlait d'un croco. Ça vous dit encore une histoire de crocodile? Eh bien, cette fois, le titre est plus engageant. Le titre, c'est « Je mangerai bien un enfant ». Juste, c'est une histoire de Sylvane Donneau et Dorothée de Manfred.
Chaque matin, maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner. Et chaque matin, elle s'émerveille. « Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu as de belles dents !»« Ça, c'est bien vrai !» pense Achille. Mais un matin, Achille ne mange rien. Maman crocodile s'inquiète. Elle insiste. « Oh, tu es sûre? Tu ne veux pas d'une bonne, d'une délicieuse banane, mon petit chéri ?»« Non, merci, maman, » répond Achille. « Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. »« Mais quelle idée, mon Achille ?» s'étonne maman. « Dans les bananiers, ils poussent des bananes, pas des enfants. » « Oui, mais moi, j'aimerais mieux manger un enfant. » Papa crocodile s'en mêle. Il court jusqu'au village et rapporte à son fiston une saucisse grosse comme un camion. « Non merci, papa, » répond Achille. « Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. » « Mais enfin, mon Achille, la saucisse à l'enfant, ça n'existe pas !»« Je m'en fiche !» s'énerve Achille. « Moi, j'aimerais mieux manger un enfant !» Heureusement, papa et maman crocodile sont malins. « Notre Achille est un gourmand, » pense-t-il. « Préparons-lui un bon gros gâteau au chocolat. » Et il oubliera complètement cette idée stupide. Le gâteau est magnifique. Waouh ! S'exclame Achille. Puis il soupire et se ravit. Non, vraiment, dit-il. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa et maman crocodile sont totalement désespérés. Ils pleurent et se lamentent. Notre fils Achille ne veut plus se nourrir. Achille se sent bizarre, tout faible. Eh oui, c'est ce qui arrive quand on n'a rien mangé. Un bon bain me fera du bien, pense-t-il. Et il descend à la rivière. Sur la rive, il y a une imprudente petite fille. Ah, chouette! Je vais enfin pouvoir manger un enfant, se dit Achille. Il se tapit dans l'herbe, toute dents dehors, telle une bête féroce, prête à bondir. Exclame la fillette. Un tout petit crocodile, comme il est mignon. Il n'a pas dû manger beaucoup pour être si maigrichon. Elle l'attrape par la queue, lui chatouille le ventre en disant Ili-ili. Puis quand elle en a assez, elle le jette à la rivière. Splash. Zut, raté, pense Achille. Et comme il a vraiment très faim maintenant, il court chez lui en criant. Papa, maman, des bananes, vite! Il faut que je devienne grand! Il faut que je devienne grand pour manger un enfant. Cette histoire t'a plu ? On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ce film.
Regarde, je filme. Allez, encore, encore. Allez, vas-y. Bien, reprends la confiture pour mettre sur le U. Allez. Là, voilà, très bien. Et tu fais le U et après tu fais le A. Là, fais le A maintenant. Voilà. Là. Très bien, super, super. Voilà, la journée est finie. On écrit ce que nous avons appris aujourd'hui. J'attends que tu fasses la phrase pendant que moi j'écris ce que nous avons appris. Voilà, j'ai écrit que nous avons appris à retrouver le son R pour le R pour les grands et que nous avions appris à compter les syllabes. Je te félicite pour cette belle journée. J'écris. Je fais le petit dessin de la journée. Voilà, je vais dessiner un petit escargot. La journée est donc finie. Nous partons. Et tu as vu ? Ça y est. Le mois d'avril est terminé. Nous ne nous retrouvons pas demain, puisque demain, c'est vendredi, mais c'est un jour qui est férié. Il y aura juste une petite vidéo pour voir l'anniversaire de Noé, puisqu'il y en a qui m'ont envoyé des petites vidéos. Et Noé, on fêtera ton anniversaire comme si tu étais à l'école. On fait la chanson du au revoir, et je vous dis donc à demain pour l'anniversaire de Noé, et sinon à lundi. Quand on dit bonjour, quand on dit bonsoir, on lève son chapeau, on se fait un écho, on se serre la main, on prend son mouchoir, on dit à lundi, on dit bon week-end. Voilà les loulous, passez un très très bon week-end, faites bien l'anniversaire de Noé et à lundi!